Je pense que ça va être hyper compliqué. Même si j'ai fait P4, bah, en fait, j'ai battu mon record en qualif. J'ai vraiment du mal avec ce circuit. Enfin, plutôt avec cette monoplace, pas avec le circuit, mais avec la monoplace. Et en fait, bah, tout le monde se tient en 1 dixième, quoi. C'est un truc de fou. De la première jusqu'à la 12, 13e place, tout le monde se tient, allez, on va dire en 2-3 dixièmes. Sauf le premier, là, Nadim, lui, il est trop rapide pour nous. Il me colle 6 dixièmes, je crois. Mais ouais, autrement, ouais, je pense que ça va être une course très compliquée. Ça va batailler dur et ça va être dur de pas faire des erreurs. Depuis tout à l'heure que je suis à l'entraînement, j'arrive pas à garder cette voiture comme je veux. J'arrive pas à avoir des points de freinage comme je veux. Et je manque d'expérience avec cette Tatus. J'ai vraiment du mal. Donc bah, on va faire ce qu'on peut. Voilà, ça va attaquer dans, allez, dans 15 secondes à tout casser. Il y en a, ils ont envie de fumer leur moteur avant la course. C'est bien de vérifier aussi, pas que ça me fasse comme l'autre fois. Où mon pédalier était déconnecté, j'étais trop content. J'ai toujours mon bug. J'ai été hyper agressif. C'était pas super beau ce que j'ai fait. Il essaye déjà d'attaquer intérieur. Et ça spin devant. Franchement, j'hésite à lui rendre la place parce qu'il est plus rapide déjà. Et c'était vraiment sale ce que je lui ai fait. Par contre, si tu me rentres dedans, bonhomme, ça va pas faire. Moi, je suis bon joueur, par contre, à un moment donné. On va essayer de conserver à mort les pneus. Pas trop tirer à fond dans ce secteur. J'ai vu Nassim, il mettait bien un fond de 5 ici. Je sais pas si c'est plus efficace ou pas. Ouah, j'étais pas loin de perdre la monoplace là. Ici, je perds énormément de temps. Je suis très mauvais dans cette section. Putain, je tourne doucement. Après, on est plein de gasoil. On est plein de ciment dans le réservoir. Lui, il va niquer ses pneus, lui. C'était dangereux, là. Je suis coincé derrière lui. C'est les autres qu'on profite. Il va faire une erreur, il va faire une erreur. Your tires are cold, watch out. Okay, Michael, don't let this kind of structure. That's the fastest lap of the race.
Seulement il y avait le DRS, purée. Je pense à conserver mes pneus aussi. Ce que je comprends pas, c'est que j'arrive pas à prendre d'aspiration. Ah purée, faut que je tente la 5 à fond à la place de la 6 modérée. Je suis sûr que c'est meilleur. Faut vraiment que j'arrive à m'améliorer à cet endroit. Ah, j'arrive pas à le recoller. J'ai loupé. Aïe. Ah putain, j'ai senti tout de suite. Fais chier. Ah, erreur bête, mais voilà. Manque de concentration, manque de discernement, et peut-être des pensées un peu trop évasives. Et maintenant, je vais peut-être avoir les pneus qui vont souffrir, et ça va être très très compliqué pour gérer cette course. Et je refais la même. Putain, mais c'est pas vrai. Lui, il m'inquiète. Non, il le ralentit aussi. Ah, il s'est bien sorti lui, mais je pense que c'est pas de sa faute. Je pense que c'est l'autre devant, en faisant une erreur, il a été obligé d'un peu de freiner. Et... Je veux pas le faire correctement celui-là. Hein. J'ai tourné un milliard de fois dessus. Non.
Putain, c'est dingue ça. Faut que je retrouve le bon point de freinage là. Les pneus ont beaucoup souffert sur le spin. Enfin, sur le spin. Sur ma petite sortie là. Ça se voit pas forcément à l'usure, mais moi j'y sens dans le volant, j'ai de la vibration. Ah bah enfin! On est en ralenti là. Il fait chier, Fowler, casse-toi, putain. Sérieux. Bon, ça va, c'est qui. Il est au ralenti, mais au moins il fait pas le boulet à faire n'importe quoi au milieu de la piste. Mais bon, mec, t'avances pas. Va t'entraîner et fais une autre course. Ça, ça me tue, ça. Les mecs, ils croient que c'est des sessions tranquilles. On est en training. Non, non, là, c'est des courses classées, mec. Je suis un peu déçu de mon erreur, quand même, parce que, purée, j'avais fait un bon début de course. Ça glisse, ça glisse, ça glisse. Il y en a qui aiment pas ce Tatus, moi je la trouve super. C'est une superbe voiture de d'apprentissage en monoplace. Franchement, c'est un mode qui est réussi. Bon, après, il est fait officiellement par, par 397, mais quand même. J'ai bien perdu mon arrière. Hein. P6. C'est encore Fowler ça? Ah non, Yann, je sais pas quoi. Le ralenti. Il a peut-être eu un accident ou peut-être qu'il était fair play. Qu'il laissait passer. Il devait être en drapeau bleu, donc ça c'est très bien. Ah, il y a vraiment quelqu'un qui est sorti. On va essayer d'aller récupérer la quatrième place d'origine. Ça va être dur, il tombe bien. Maintenant, ça va jouer aussi selon comment lui va tenir son rythme et aussi les pneus, je pense. Mais ça n'a pas l'air d'avoir de grosses usures en un.
Ouais, grosse glissade là en sortie, dommage. Perd du temps précieux. Fais pas le boulot, fais pas le boulot, s'il te plaît. Allez, casse-toi. T'as un drapeau bleu, mec. Putain, c'est des dangers pareils. Et là, il me fait perdre tout ce que j'ai réussi à gagner sur mon prédécesseur. Qui, lui, n'a pas été emmerdé. Voilà, super. Comme ça, c'est le jeu de la course, mais c'est frustrant. C'est frustrant parce que je m'étais pas mal rapproché, et là, bah, un retardateur qui me coince, et voilà, et c'est fini. Je peux pas récupérer cette quatrième place. Maintenant, on va essayer d'assurer la fin de la course quand même. Parce qu'il faut quand même la finir. Et reste un tour. T'es un peu gourmand là. Je vais finir vraiment pas loin. Oh là là, ça c'est frustrant. Lui va faire le dragon, bien sûr. Mais de toute façon, y a aucune chance de le rattraper. Il n'y a pas d'aspiration, donc c'est très bien. Eh ben, résumé de cette course, je dirais frustrant. Frustrant parce que je fais une erreur. Alors ça c'est pas frustrant, ça c'est mon erreur. Et malheureusement, ben c'est la course, hein, voilà, j'aurais pu. J'étais deuxième ou troisième, je me souviens plus. Et voilà, j'arrivais à me défendre. J'avais un rythme qui était assez correct, on va dire. Voilà, bon, on voit quand même que le deuxième il est en 1-2-5. Moi je suis en 1-2-7, mais. J'ai eu de la poursuite, j'ai eu des gênes, etc. Et je pouvais difficilement descendre moins. Je pense que si j'avais été plus tranquille, j'aurais pu rouler dans le même rythme que lui, voire un peu plus rapidement. Donc ouais, j'avais ma chance à jouer sur les... Peut-être le podium, hein, peut-être le podium à faire. Mais pour ça, ben, pour faire un podium, faut pas faire d'erreur. Et je l'ai faite, l'erreur. J'ai fait l'erreur et je m'en sors bien, parce qu'il y a eu des erreurs devant. Et je récupère quand même une P5. Donc c'est quand même satisfaisant à ce niveau-là. Par contre, ce qui est frustrant, c'est que j'aurais pu récupérer cette quatrième place sans ce retardataire, je sais plus qui c'est. Alberto Portillo. Albert Portillo, qui est venu vraiment me gêner dans ma trajectoire et qui m'a fait perdre tout ce que j'avais fait pour pouvoir aller chercher cet adversaire auquel je colle au train à la fin. Il a sûrement aussi baissé son rythme et fait peut-être une erreur, mais dans tous les cas, voilà. Et puis félicitations à Nadimo Zoom,
qui va vite. Une 1560, c'est des temps que j'arrive pas encore à faire moi perso. Après, je m'entraîne pas assez, hein. Faut vraiment tourner longtemps. Mais voilà, j'ai encore beaucoup de corrections à faire à mon pilotage. Et il faut que je trouve aussi les bonnes attitudes sur beaucoup de choses par rapport à cette voiture pour réussir à descendre sous la minute 2. Là, au mieux, j'ai fait une 2,3, je crois, en qualif. Donc, c'est pas assez bien. C'est pas assez bien, faut que je m'améliore. Allez, allez, ciao, ciao.